Bonjour, je m'appelle Aude, je suis gérante d'un salon de coiffure dans le 13e et je vais vous montrer comment on se coiffe comme Jennifer Aniston. Nous allons avoir besoin de pinces de séparation, d'une brosse pour les démêler, une brosse de brushing pour lisser la mèche de devant, une pince à lisser, de la laque, un peu de sérum et un sèche-cheveux. La première étape, je prends la brosse, je me démêle bien les cheveux. Une fois que j'ai tout démêlé, je prends mes pinces et je vais isoler ma mèche de devant pour bien la lisser et la mettre en place. Je prends ma brosse de brushing, le sèche-cheveux et je la lisse. Une fois ma mèche lissée et mise en place, je peux m'attaquer au reste des longueurs. Donc je vais commencer par derrière. Je vais faire une première séparation d'oreille à oreille derrière. Hop. Avec le fer à lisser, je vais bien lisser au maximum mes cheveux pour qu'ils soient bien raides, pour avoir un brushing impeccable. Je passe la pince, pas trop rapidement et pas trop lentement. Ça m'évitera de faire trop de passages dessus. Logiquement, deux passages sont suffisants. Je vais le faire avec tous mes cheveux. Donc au toucher, là, ça me paraît plutôt lisse. Après avoir retiré les pinces du début, je refais une séparation. Je continue à bien les lisser derrière. Je redéfais ma pince. Hop. Je continue à lisser en faisant bien attention que les cheveux soient bien démêlés. Il faut faire attention de ne pas se brûler parce que c'est quand même très chaud. Je défais la dernière pince. Hop. Donc là, j'ai terminé mon lissage. Ils sont bien lisses partout. De toute manière, on le sent. Je les ai mis en place, mais vu que je viens de les lisser, je vais rajouter un peu de sérum. J'étale bien dans mes mains et je vais en mettre sur les longueurs. Le sérum apporte aussi de la brillance aux cheveux. Voilà, maintenant vous savez faire un lissage comme Jennifer Aniston. Si vous voulez avoir d'autres astuces de coiffure de star, vous pouvez aller regarder la vidéo de Sophie Marceau.